Rapline numéro 101, c'est la première édition des remixes de l'été avec, pour débuter ce soir, un spécial rap français. Pendant une demi-heure, on va voir ou revoir le ministère AMER, deux artistes de la compilation Rap Attitude 2, en l'occurrence Créateur Unique et Syria Khan, et puis également Johnny Go et Destroyman. Le turbo émis pour les remixes sur juillet-août, alors on démarre tout de suite spécial rap français avec le ministère AMER. Acte 100. Soit avec le ministère à 100%. Nom de code, ministère AMER. Code postal 95200, Sarcelles. Première apparition discographique, le maxi Traître en 91 avec trois rappeurs. Stomy, Passy, Moda et le DJ Getch comme homme de main. Moda quitte le groupe peu après ce premier essai. 92, nouveau retour des héros de Sarcelles avec le maxi SOS en prélude à leur premier album qui sortira dès septembre 92. Incompris, victime de l'ostracisme du move, méconnu, tout simplement craint, halte aux idées toutes faites. Votez pour le ministère en votre âme et conscience, car voici Stomy, Passy et Kenzie sur la Rapline. Ok, STOMR, boum, objecteur de conscience, mon seul désir, ne jamais servir la France. Épée Adresti, Hydroless AP, il a redoublé 3 fois le CP, mais il a eu son BAC. Et voici KENZY, porte-parole du ministère AMER. Le ministère est tout prêt. Le ministère est prêt. Nous recevons 5 sur 5. Objectif en vue. Attendons plus de précision. Déclenchez les hostilités. AMER, à la base, c'était une association qu'on avait formée quand on a voulu débuter légalement dans le rap, quoi. On a voulu faire une petite association action, musique et rap. Maintenant, ça tourne, ça change. C'est agent du ministère et le camp est radical. Tu vois, et le ministère, c'est pour montrer l'ampleur de nos idées, l'ampleur de ce qu'on fait, quoi, tu vois. Je relais par hasard aux alentours, jour après jour, ayant le ton du monsieur Cupidon. Pour tous les bidons dans la vie avec leur accli, écoutez Stomy, car il est en béton. Même pour toutes celles qui me considèrent telle que LL, je ne suis pas tel, je suis G-I-L-L-E-S-T-O-M-Y. Et j'ai grandi à Sarcelles dans un quartier impec, où elles-mêmes toutes me portent, car telles mes rappels aux belles femelles que j'aimerais être fidèle. Mais c'est dur car vous êtes toutes belles, mesdemoiselles. Mais ça ne m'empêchera pas de vous check, mes belles. Je ne suis pas bi, je ne suis pas homo, je suis sexuel. Et j'aime celle au caractère rebelle, à le bol, celle qui me lèche les semelles. Oui mon colonel, c'est vraiment trop bagatelle. Mais pour toutes celles en mal d'amour, viens voir Stomy, on ira faire un tour. Au 4, au 5, au 6, 7ème ciel. Tu vois ce que je veux dire ma belle, au 7ème ciel. Nous on donne une image de l'endroit où on vient. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui parlent sur Sarcelles sans être jamais venues à Sarcelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle des préjugés. Et si tu regardes bien, les préjugés, c'est la base du racisme. Alors. Moi, c'est sa mère que je prends comme ses chiens sans laisse qu'on dresse pour empêcher de rentrer, de danser, m'éclater, niquer leur flèche périmée. Le temps d'une soirée, mec, ta coupe me fait rire. Encore, ce n'est pas le pire. Tu revendiques l'Amérique, les origines d'Afrique. Ta mère t'appelle Mamadou, tu prends le nom de Andrew. Encore, ce n'est pas le pire. Le pire est de trahir, arrêter de me sourire, de m'applaudir pour m'endormir ou pour me refroidir. On est boycotté par les radios, côté par les dégros. Recherché par les renseignements généraux. Ouais, c'est ça. On a jamais de concert, ils font des réunions sur nous, genre si le ministère AMER il passe en concert avec nous, nous on se décommande tout ça. Voilà, nous, ça veut dire fout, quoi tu vois, c'est quoi leur côté, mais... leur business, on comprend pas. Je sais, mais ils amènent au divorce, leur face m'agace. Ils s'amènent avec une gondasse et veulent une délicace. Dis-leur, mon nom n'est pas Boniface. Quoi que je dise, ils nuisent, produisent, divisent pour mettre dans la mouise. En guise de quoi? En guise de traîtrise. Dans nos paroles, y a pas de mot anglais, y a pas de yo. What's up, pop it up, jump, jump. Nous on fait un truc français, tu vois, un rap français, tu vois. Tu t'exprimes en français. Il y a assez de trucs dans la variété française ou dans la culture française que tu peux mettre dans tes paroles au lieu de mettre les scratchs, des trucs américains, quoi. C'est pas pour nous, quoi. Tu vois, nous, on aime bien donner un truc, je te fais écouter, bon, tu captes toutes les paroles. Celui qui sait pas parler anglais, il capte ce que je dis. On parle le langage sarcellois, c'est tout. Voilà, sarcellois, on a notre petit argot, ceci, cela, on le balance. On parle franchement, on dit cash. Franchement, c'est rien que du naturel. Quand on vient, aujourd'hui, bon, on est cool avec toi, on parle cool, on est cool. Mais si un jour on est vénère, faut pas nous casser les couilles, on est vénère, quoi, c'est ça aussi. Ça, il y a tout ça. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, ça commence vraiment à prendre la tête. Ça commence vraiment à nous vénère, tu vois. Les gens, ils ont voulu nous coller une image, coller ceci, cela, coller ceci, cela. C'est bien beau, mais s'ils ne demandent pas la vie, s'ils font des trucs sur nous et on n'est même pas au courant, on l'apprend seulement par des ragots, par des ceci, cela, tu vois. Ça commence à... Tu vois, il y en a marre. Trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction. Trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction. Non, on aime bien être basé sur la vérité. Nous, on a un truc, le savoir est une arme.
C'est un truc, tu sors, t'observes. C'est acte 1, savoir d'où tu viens. Acte 2, savoir qui t'en veut. Acte 3, connaître tous tes droits. Voilà, c'est sur ça qu'on est basé. Love story, non-story, innove. Sur un sujet que je connais par cœur, les femmes. Oh, erreur de ma part, il y en a toujours une quelque part qui cherche la vraie histoire avec un bel homme noir. Comme moi, comme toi, non. Car tu es le genre de gars au toucher d'Attila. Avec toi, elle subira la guérilla. Tandis qu'avec Stomy, c'est la Dolce Vita. Et je suis le genre de gars au toucher de Casanova. Ne prends plus la tête avec des kilogrammes. Je t'aime comme tu es, Sésame, ouvre-toi à Wam. Pour toi je renoncerai à être polygame. Couche-toi, saumon dans le pilote. Ça ne veut pas dire rapido ou même le dodo. Mais offre-moi le plus beau des cadeaux. Je ne veux plus courir derrière toi comme un lièvre. Je désire tes lèvres dont j'ai déjà la fièvre. Je sais pas comment ça marche en France. Je sais pas, je joue au States, ce qu'il y a de puissance, ça sort, ça pète. Mais en France, je sais pas, en France c'est. Faut sucer on dirait pour grimper. Et si tu veux pas sucer, tu peux pas grimper, tu vois. Et moi je tiens pas à sucer, il y a un petit honneur quoi, il y a un petit truc à toi quoi, tu vois. C'est ça qui est dur en France aussi. Faut qu'ils reconnaissent, la valeur, la qualité et la puissance. Quoi. À part ma tétine. Non, rien d'autre. Parce que j'ai besoin de caresses pour ça. Dispute sur le pouvoir. Y'a nos super héros qui nous tirent dans le dos. Mais pour leur justice t'es qu'un con de négro qui rend service à ses lois où l'argent est roi. Ça veut rien dire. Je sais pas, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Nous c'est rien que du naturel. Si les gens nous trouvent hardcore, on est hardcore à ce qui paraît. Mais nous c'est rien que du naturel. On trouve que l'islam c'est quand même une force. Tu vois, c'est une force, ça regroupe une manière de penser assez spécifique, assez spéciale, tu vois. Et celle-là elle nous plaît. C'est pour ça qu'on est un peu plus basé vers l'islam que autre tu chose. Tu vois, dans l'islam, ils ne te montrent pas de Jésus ni avec des yeux bleus, ni blonds, voilà, ni bruns et tout, tu vois. Aussi. Bon, ils te montrent Jésus blanc, yeux bleus, blonds et tout. Ils disent c'est le fils de Dieu. Bon, maintenant, moi, je suis un putain de négro. Je suis le fils de qui? Je suis le fils du diable, alors. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Il ne devrait pas avoir d'image comme ça, tout le monde peut s'associer. D'ailleurs, on écrit un morceau comme ça, d'année de la terre, ça aussi dans l'album. Pour mon espèce, tu fais des prouesses. Je défonce les fesses de ces flics, maigres et négresses. Quoi qu'ils puissent être ou paraître, ils ont casse le maître, ce sont tous des traîtres. Il y a un groupe qui aime bien balancer dans toutes les interviews. Moi j'ai lu celui-là, j'ai lu chez Quanta Diop, j'ai lu celui-là. Si tu passes à la télé pour dire ce que t'as lu, pff, qu'est-ce qu'on en a à péter? Moi j'ai lu Strange, et alors? Rassurez-vous, Stomy ne fait pas une virée vers le commercial. Sur mes gardes, et je garde mon gilet par balle. Je rappe toujours de problèmes, mais le plus gros problème de l'homme est la femme, et celui de la femme est l'homme. Voilà pourquoi dans haut du podium, je dégomme. Viens prunir les flys de toutes ces racailles qui n'en veulent qu'à tes patates. Tadac, tac, 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 tic, tac, et gagne au tac, qu'ils soient en cravate ou en charade. Il en finira par des coups de savate. Donc tape tes patates avant qu'on te les gratte. Moi la seule chose que je veux c'est ton cœur et ton bonheur. Te déshabiller comme on déshabille une fleur de toutes ses pétales. Par l'amour comme les sourds, ceci est primordial. Les kilowatts sont pour watts de toutes les meufs qu'il y a dans cette boîte. Qui est-ce? C'est Watt. Même aveugle, je serai que t'es belle. Et même sans cœur, je te resterai fidèle. Aucun rapport avec les institutions, si, avec la police. Contrôle de papier. Ouais, voilà. Mais ça, c'est pas qu'à Sarcelles, il faut pas dire partout, à Sarcelles. Ça, c'est partout. Ce que tu veux savoir, si on a des contacts avec les mairies, les trucs comme ça. Non. Les mairies nous ont jamais aidés. Non. On a eu beau vouloir jouer les. Allez-y, regardez, on a une association loi 1901, on associe cela, regardez, on aimerait une salle pour répéter. Nada. Si cela, nada. Et ce qu'on dit toujours dans les interviews, c'est. Il y a beaucoup de vie, il y a des problèmes où les maires sont. À côté de la plaque, mais les meurs de Garges et de Sarcelles, ils sont presque à côté de la plaque. Ah ouais, presque à côté de la plaque. La plaque, elle est loin, mec. Ah ouais. Un flic bronzé, t'arrête. Pas de pitié, t'es qu'un immigré. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore trop pressées de se faire beaucoup d'argent. Et si, il y a beaucoup de rivalité entre les rappeurs, justement, parce que comme ça devient de plus en plus dur à avoir des groupes qui sortent complètement du contexte, trop de personnes se mangent dessus et parlent sur les autres, et il y a beaucoup de rivalité. Voilà, quoi. Mais bientôt, plus tard, quand les premiers rappeurs, ceux qui ont sorti leur album maintenant, nous compris, on aura fait assez d'argent pour produire d'autres groupes, là, ça commencera à être intéressant. Parce que là, ça sera carrément des petites structures de production parallèles à ce qui existe déjà. Et ça sera fort. Alors, s'il y a un rappeur qui te dit qu'il n'écoute pas ce qui sort, un rappeur français qui te dit qu'il n'écoute pas ce qui sort, bah, c'est un menteur. C'est un menteur. Tout le monde Alors, écoute tout le monde. Écoute tout le monde. Sache, il n'y en a pas beaucoup qui le disent à la télé, mais tout le monde écoute tout le monde. Et voilà. Moi, je le dis cash. Mais nous, on n'écoute rien qu'une fois.
On écoute une fois, c'est vrai, t'écoutes une fois, tu vois le niveau, tu vois ce qui sort. Tu sais ce qui sort, tu vois à peu près ce qui se passe. Et après, bon, tu taffes de ton côté, tu sais ce qu'il y a, tu sais ce qui se passe. Le savoir est une arme maintenant, je sais, nous on veut savoir, tu vois. Faut connaître, faut voir à peu près, faut des fois aller au concert, voir comment ça tourne et tout ça, tu vois. Donc on est curieux. J'ai ta grand-mère, t'es le cerbère qu'ils ont dressé pour me faire taire. Que si quelqu'un sort un produit en espérant que ça passera seulement sur Upline, ah non, le mec quand il fait un produit, il sort un disque, c'est pour que ça passe partout. Bon maintenant si le ministère se retrouve dans OK, dans Podium ou dans des trucs comme ça, nous on fait des trucs pour que tout le monde soit au courant de ce qu'on fait. Maintenant si ça passe dans OK, Télé 7 jours et dans Upline, bah ça va. Moi je suis pas le mec qui va dire ah on passe dans Podium donc c'est un groupe bidon. Ah non, si un mec il arrive à dire nique ta mère dans Podium, bah qu'est-ce que je te dise. C'est fort, moi c'est ça la force du rap.